Je me demande si ton frère va venir. En tout cas, je lui ai dit que c'était pas bien de pas venir au mariage de son frère. Je sais que vous vous êtes pas vus depuis des années, alors je t'en supplie, essaie de bien t'entendre avec lui. Sam, je te parle. Et si elle vient pas, moi? Le plus beau jour de sa vie. Fais une croix dessus, Red. Je me marie pas avec lui. Ils font un joli couple, hein? Non, je trouve pas. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme de ses rêves. T'es pas de sa famille, quand même. Je suis le frère de Sam. Je sais pas qui est le plus à plaindre, toi ou moi. Moi. Mais voilà. Ouais, il y a une voiture qui attend dehors. Pour moi? La seule chose qui manque à la lune de miel, c'est le mari. C'était ma femme! Elle voulait pas vivre avec toi! Pourquoi est-ce qu'elle aurait pas pu m'aimer? C'est vraiment une belle gonzesse, Freddy. Seulement, ce qui est con, c'est que tu t'es fourré avec cette bande de câbles. Il va falloir qu'on règle ça. Ça va pas être triste. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went high. T'as vraiment envie de tuer quelqu'un? Commencez par lui. Lâche ton flingue. Lâche d'abord le tien. C'est moi qui t'ai braqué en premier. Ouais, allez-y. Bien sûr. Keanu Reeves, Cameron Diaz, Vincent D'Onofrio, Dan Aykroyd et Delroy Lindo dans un film de Steven Begelman. Feeling Minnesota. Écoute, Jax, pourquoi quand tu viens me voir à la maison, ça se passe jamais bien? Ça pourrait pas être normal comme dans toutes les autres familles?